Bonjour à toutes et à tous, c'est Mexaki dans son tournoi pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est sur un MOBA. Oui, on est sur un putain de MOBA. Alors, il y en a qui appellent ça un MOBA, les développeurs appellent ça un MOBA, enfin, ils ont été catégorisés comme tels. Je n'appelle pas ça un MOBA, pourquoi? Parce que vous êtes en 2v2, 3v3 ou 1v1, et que ça fonctionne en round. Comme vous voyez, il n'y a pas de stuff à acheter, vous devez choisir tout simplement directement un bonus ou une statistique. Alors, j'ai un copain avec moi qui va jouer corps à corps, on va donc lui prendre un shield. Et donc voilà, c'est seulement et uniquement de l'arène en fait. L'arène est relativement petite, elle se réduit au fur et à mesure du temps, vous n'avez pas de line, vous n'avez pas de tower, vous n'avez pas de nexus, ni tout ça. C'est un MOBA, oui, mais c'est un MOBA de type arène, c'est full de l'arène, et c'est ça que j'aime beaucoup dans le jeu. Je suis un peu loin. J'y suis un petit peu loin. Oh non, il a été interrompu. Bon alors, est-ce que... Ah nice, bien joué la... Bien joué le copain. Il est où le méchant? Il est où le méchant? Il est où le méchant? Ah, non mais me stun pas pendant que j'essaye de faire mon ulti, enculé. Pourquoi mon ulti peut pas se lancer? Pourquoi il a pas voulu se lancer? Ah parce que j'ai... Ah d'accord, tout à l'heure il l'a counter, du coup ma barre elle s'est reset. Du coup depuis tout à l'heure j'essaye de lancer un ulti qui est pas chargé. Non mais enfin, après je m'appelle pas BXAKIT pour rien, vous avez l'habitude hein. Mais oui d'accord, ok. Bon après c'est la première game de la journée, je viens de me lever, restez calme. Hein. Quand je recorde il est 10h22, je suis réveillé depuis 8h. Après j'ai fait du Summoner's War, tout ça comme d'habitude dans mon lit. Mais là je suis parfait encore, faut attendre un petit peu. Alors, mon pote va-t-il réussir à carry cette première manche? Parce que là bon... Après je joue un personnage, qui est, comment dire, qui est tendu à jouer au premier round. C'est-à-dire que là j'ai pris un sort de support pour mon pote parce que lui joue corps à corps, donc je lui mets un bouclier. Le bouclier qu'est-ce qu'il fait? Il fait que quand... comment dire ça? Quand le bouclier se termine, parce qu'il a un nombre de dégâts encaissé maximum, quand le bouclier se termine, il explose et fait des dégâts autour. Donc vous notez bien que mettre ça sur un corps à corps est la meilleure, entre guillemets, stratégie là-dessus. Maintenant, je vais jouer offensif, puisque je vais pouvoir prendre ce sort-ci, qui est tout simplement un sort qui transforme mon clic droit en une attaque de zone. Voilà, donc relativement agréable de type j'aime beaucoup. Mais il faut savoir que moi qui déteste les MOBA genre vénère, hein, ce jeu j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'en fait il est vraiment basé, c'est ce qui a été voulu par les devs, c'est un jeu de type basé only skill. C'est-à-dire que vous n'avez pas en fait, comment dire, vous n'avez pas de... Les champions sont à peu près tous égaux, bon d'accord, ça techniquement tout le monde est censé... Enfin tous les MOBA sont censés avoir des personnages relativement égaux au niveau des stats et tout. Mais le jeu là se vaut vraiment sur le sens justement de on tâche de faire un jeu le plus équilibré possible, où ce qui va définir l'avantage c'est vraiment comment dire, la capacité des joueurs à jouer le perso en question. Oh non, il a esquivé. Bon, le 2v1 peut se faire hein. Le 2v1 peut se faire easy peasy like. Hop, on récupère ça. Le 2v1 pourrait devoir se faire tranquillement. Hein. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Hop. Non, regardez sa vie. Regardez sa vie. Putain, on était pas mal. Excusez-moi, j'étais concentré. Ouais, du coup, j'ai mis la caméra aujourd'hui. Je suis pas coiffé et tout, mais c'est pas grave. Ah, c'était tellement près. Ah, oh, merde. Le 2v1 était tellement viable. Oh, fuck. Putain. Tout ça parce que je l'ai raté plusieurs fois quand il était encore en 2v2. Je m'énerve. Je sais jamais quoi prendre ici. On va prendre ça. Je sais jamais comprendre. C'est dramatique, mais je sais jamais. Bon, round de 3. Ah putain, tellement déçu. C'est
c'était tellement viable. Nice. Il fuit où là, là-haut. C'est bon, on va là-bas. Ah mais j'oublie toujours cette zone de merde. Ah. Elle varie pas où. Bon par contre mon personnage c'est genre le plus lent de l'univers. Hein. Genre il y a des personnages lents mais le mien. Hop. J'ai esquivé son ulti avec mon ulti. Dans ton cul, salope! Pardon, excusez-moi, je joue à MOBA, je suis énervé. Je deviens vulgaire quand je joue à MOBA. C'est pas vrai. Je suis tout le temps vulgaire, mais c'est pas grave. Bon, nickel. Donc ça, c'est fait. On va mettre le troisième round maintenant. Alors, moi, je prends ça parce que ça, c'est plutôt fort. C'est-à-dire que j'ai un sort qui met un debuff et un autre sort qui met un debuff. Les deux mettent des debuffs. Et en fait, ça, ça augmente les stats des debuffs. Et ça fait que... Au lieu de devoir faire clic droit, clic gauche, clic droit, clic gauche pour mettre mes debuffs, eh bien, les deux mettent les deux avec ça. Enfin non, les deux réactualisent. Si j'ai bien compris, hein, ça se trouve j'ai pas compris, c'est pas ça. Et voilà, du coup, il y a des gens qui vont être en mode « Ouais, BX, il fait un MOBA, oui, bah écoutez, voilà. » Ça se trouve, il y en a à qui le jeu plaira, hein, le jeu est dispo sur Steam. Hein. Y'a une mine au sol, y'a un poisson là, je l'ai vu. Nice. Ah là 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 là. Ah l'ulti, ah j'ai bouffé l'ulti. Ah ouais bah oui tu m'étonnes. Mon pote le tue, Ah mon pote le finit pas. C'est pas le bon. Nice. Bien joué. Putain j'aurais voulu lancer l'ultime, tant pis. Ce sera passé nickel. Faut que j'aille chez le coiffeur. Moi définitivement faut que j'aille chez le coiffeur. Ça ne va pas du tout. Absolument pas. J'y vais lundi techniquement. Lundi ou mardi, ça dépend de si mon coiffeur est ouvert le lundi évidemment. Ça donne quoi niveau dégâts? J'ai fait 353 de dégâts quand même. Ouais, bah, mon pote est forcément devant parce qu'il a fait 262 de protection quand j'ai fait 91. Tu m'étonnes. Donc, vous avez un système de ranking, mais évidemment que j'ai sauvagement passé. Voilà. Oh, j'ai gagné 50 thunes. Nice. Les thunes, ça sert à acheter des coffres. Et les thunes du bas, vous les gagnez en levant le point à un certain level. Et ça vous donne notamment la possibilité de crafter certains skins que vous voudriez, mais que vous n'arrivez pas à loot en fait. Ce qui est plutôt cool. Ah, alors j'ai level up et j'ai obtenu un truc, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un nouvel avatar. Mais c'est de la merde. Il est pas beau. Il est pas beau l'avatar. Ah non, c'est ça, d'accord. Ok, c'est dans le sens où... D'accord, c'est doré autour. Ah, mais c'est trop bien. Parce que du coup, oui, mon personnage est niveau 10. Ouais. Oh putain, j'ai tryhard que celui-là, faut qu'on se mette d'accord. Moi, j'aime beaucoup le style de gameplay que c'est. Donc, évidemment, bon, du coup, on va refaire une record. Oui, celle d'avant n'était pas record. Pourquoi? Parce que le mec m'a énervé. Je me suis énervé et je ne veux pas me montrer énervé devant vous. Ce n'est pas bien. Mais le teammate était perché. Genre, vous savez, il y a des Russes, ils sont alcoolisés, tout ça sur CSGO. Ça va, il tire encore correctement. Là, le mec, il a pas touché le cas. Enfin, c'était là. Ah non, j'en ai. Me dis pas que c'est lui again. Parce que je crois que c'est lui. Je sais plus. Enfin, c'est le même héros avec le même arme. Enfin, la même arme, parce que ça n'a aucun sens. Je veux dire le même skin et j'ai dit la même arme. Me dis pas que c'est lui. Hein. Oh, je sais plus. Je sais plus si c'était lui avant. Je ne sais plus. Désolé, je ne sais plus. J'espère que c'est pas lui parce que je vais serrer. Ouais, mais sur ce perso-là, dans le risque, je vais prendre ça. Moi, je prends du dégât parce que dans le risque, avec lui, j'ai peur de... Ouais, j'ai pas envie de... Non, j'ai pas envie de le booster. Ça se trouve, c'était pas lui et je vais pas le booster pour de la merde, hein, mais c'est pas grave.
En face, on a. Ah, ouais, d'accord, on a le même et on a un petit Flammy Flammou. Vous savez, Flammy Flammou, c'est le cancer. C'est le personnage qui spam mais qui est recommandé pour les. J'ai counter, mais c'est pas utile. Je me suis tellement calmé. Je me suis tellement fait défoncer. Mais d'une violence. Le défonçage était mais tellement fort. Ouch. Ça pique. J'ai mal à mon coucoureau. Je me suis tellement foutu. Les choses qui arrivent. Les choses qui arrivent. Et je me suis fait def. Tu meurs là. Malheureusement. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'était le premier round. C'était le premier round, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Ah, il est bleu. Ah, il est pas beau en bleu. Ah non, non, non. Autant en rouge il est stylé, mais en bleu, non. Non, non, fais pas ça. On va prendre ça. Du coup, on va pouvoir commencer à attaquer. Correctement. Parce que j'utilise que très rarement mes mines. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai rarement l'opportunité d'utiliser. J'oublie souvent, j'oublie. C'est surtout que j'oublie en fait. Il faut que je m'y mette, mais j'oublie. J'oublie. C'est con quand même d'oublier un sort qui utilise les debuffs que tu poses avec tes coups blancs pour justement faire plus de dégâts. Là on est mieux là. Ah il était immatériel du coup ça a pas touché du coup on lui tire pareil. Nice. Il est mort. Nice. C'est cadeau. C'est comme ça qu'on fait. Eh oui, eh oui. Eh oui. Eh oui, mais Exakid peut être bon sur un MOBA. Je vous emmerde. Écoutez, à un moment donné, je vous vois venir en mode oh là là, mais Exakid sur MOBA, là 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 là. Et bien voilà. Ok, je tente des trucs, des fois faut tenter des compos et tout, on tente. On tente et puis on voit. Vu que j'ai pris Shatter sur le premier, je peux prendre Shatter sur le deuxième. On peut faire ça. On peut tenter des choses comme ça. Ok. Ça, il a quitté toutes mes Shatter quoi. Je me suis fait chier avec des Shatter, il est. Il a pas marché dedans. Ah! J'en pose! Ah bah non! Ah bah j'allais larguer mon ulti, du coup là j'arrive, bam, ulti. Sans aucune forme de pression de l'ulti, j'ai le doigt dessus. Allez! Je crois encore j'ai eu le double. Enfin, c'est parce que j'ai volé la 6 sur le premier, mais c'est pas grave. Allez! Je crois que le mec en face a rage quit quand il a vu qu'il se faisait totalement def. Ah non, il est encore là. Attends, on va voir s'il choisit une carte. Ces jumeaux d'interruption sont tous les deux actifs sur la cible, leurs effets sont augmentés de 15 à 20%. Et les deux sont réappliqués par End of Corruption Judgment, c'est ça. Je ne suis pas ouf. L'équipe adverse peut maintenant choisir de déclarer forfait. Ah! Ah, est-ce qu'on aura un forfait en face? Bah allez, jouez les gars! On va pas attendre dans le lobby comme ça longtemps. Bensom est connecté. Ah, ça y est, il est revenu! Et il y a du juste crash de connexion. Ah, c'est pas lourd ça. Ultimate étoilé. Ah bah non, t'as. Oh putain, le mec qui a foiré mon ulti quoi, le salaud. Bon, c'est sur des mannequins, ça va. Mais il a juste niqué mon ulti. Comment parti commence en 3, 2, 1, c'est parti à la sauce.
go. Ta 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 ta. Allez, tu vas faire quoi? Bah rien du tout. Ah Juba. Et tu le tues hein. Tu le finis hein. Oh c'est la merde, ça pue la merde. Ça pue, il va pas réussir. Oh, je le sens pas. Oh les gars, je le sens pas. Oh là là, oh là là. Elix, t'as aucune confiance en tes teammates, absolument aucune. Ah bah oui, bouffe l'ulti va. Ah bah oui. Prends le soin, connard. Bah non. En 2016, c'est quoi le soin? Oh merde. Il m'énerve. C'est pas grave. Pourquoi est-ce que je prends pas le truc qui soigne? Parce que la plupart du temps, il y a personne dans mon ulti. Hein. Souvent, je touche l'ennemi, mais il y a rarement mon pote avec moi. Donc ça sert à rien de prendre l'ulti qui soigne, parce que c'est un ulti corps à corps. Alors que je suis un DPS distance. Oui, tout va bien. Vas-y, à l'attaque. Ta 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 ta. Ah l'ulti! Ah j'ai bouffé! Bah je suis mort là! Ah non, pas mort! Bah maintenant je suis mort! Ah l'ulti m'a mis tellement cher! J'ai pas. En plus j'avais utilisé mon esquive juste avant quoi! Donc... Non, ton chop 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 pourra pas faire grand chose! Pourquoi tu t'arrives? Voilà. Je veux même pas savoir! C'est pas grave, c'est pas grave! Bon c'est dommage parce que le dernier round on aurait pu le gagner et mettre fin à la game, mais malheureusement on va perdre! Eh oui, c'est juste qu'il arrive de perdre! Bah bon. Que voulez-vous que je vous dise? Qui n'a jamais perdu? Sûrement pas Sarkozy. Pardon. Excusez-moi. Bon alors regardons. Moi j'ai fait de dégâts. Moi ce qui m'intéresse c'est de savoir combien j'ai fait de dégâts. Ah que 244 hein, j'ai pas fait une game folichon non plus. Hein. Non, bah voilà, écoutez, que voulez-vous que je vous dise? C'est des choses qui arrivent. Oh j'ai perdu des points. Oh des points. Quoi? D'accord, ça a complètement buggé en fait. Ouais, c'est complètement buggé. C'est des choses qui arrivent, hein, des fois, des petits bugs comme ça. Bon, ça en early access encore une fois. C'est bon, t'as fini de bugger? Ah non, c'est niveau 10 le max. Ah, c'est pour ça. Ok. J'avais pas capté pourquoi ça buguait. C'est parce que c'est niveau 10 par personnage max. Donc si je veux continuer à avoir des récompenses ici et ici, il faut tout simplement eh bien, que je monte d'autres personnages. D'accord. Ça marche? Non. Je joue ce personnage-là parce que je l'aime. Peu importe. J'en sera peut-être d'autres plus tard. Celui-là est rigolo. Mais si tu veux jouer celui-là, il faut avoir de très bons coéquipiers parce que sinon, c'est une grosse merde. Voilà, mais il est très sympa. Moi, j'aime bien. Il a quoi comme skin, d'ailleurs? J'aimerais bien savoir. D'accord. Oh, putain, il est tellement stylé comme ça et comme ça, là. Ah, il est beau comme ça. Moi, j'aime beaucoup comme ça. Et en arme, il a quoi? Parce que c'est son sablier qui descend, enfin quelque chose. Oh, celui-là, c'est beau. J'aime bien. Oh, il est légendaire. Oh là 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 là. Oh yo 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 yo. Ça, c'est stylé. Ah ouais. Ça, c'est stylé. Ces trois, enfin ces cinq armes-là sont stylées. Bon, ça, c'est pas beau, ça. Ça, c'est pas beau du tout. Mais ça, oh yo yo, il est chef. Bah bon, passons. En tout cas, eh bien, on va se laisser là pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. En tout cas, si vous voulez revoir du Battle Right, on pourra refaire une vidéo dessus si vous voulez. Parce que de toute façon, on en fait un petit peu en live en ce moment. Donc, n'hésitez pas. Voilà, donc une nouvelle fois, eh bien, je vous remercie toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt sur la chaîne, sur BDCK.fr et sur Twitter. Puis sur like.